Salut les passionnés. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ludo, un petit gars qui a créé un blog automobile essaylib.fr et également une chaîne YouTube. Je suis tout simplement passionné d'auto. Et alors aujourd'hui les passionnés, je vous fais un cadeau. Je vous délivre l'essai de cette BMW M6 560 chevaux V8 biturbo. Rien que ça. Tous les repères automobiles volent en éclats avec cette BMW M6. On est carrément sur une autre planète en termes d'accélération, de freinage. Alors c'est parti maintenant pour la découvrir en détail. Pour moi, les passionnés, de vous faire ce cadeau, une BMW M6. Eh oui, elle est là avec nous, on va pouvoir l'éplucher ensemble, la détailler comme si vous étiez avec moi. Alors vous entendez la ventile qui a tourné parce que le moteur est un peu chaud. Je l'ai un petit peu sollicité quand même, hein. Badge ici M6, effectivement. Cette M6 est sur la base d'une série 6 grand coupé, c'est-à-dire qui reprend un peu les codes de la Mercedes CLS qui a initié ça. Un coupé 4 portes. Le toit très plongeant comme ça, design intéressant, elle est superbe, hein. C'est une berline confortable. Alors ce que j'apprécie en termes de design sur cette automobile, puisque je suis assez sensible à ça, c'est ici cette forme là de la poupe à l'arrière qui est magnifique, qui est bien dessinée, qui fait sportif. Et puis également cette ligne creusée dans la carrosserie là qui court tout le long jusqu'à ce petit insigne M6, une espèce d'entrée d'air factice qui regroupe le clignotant latéral. La face avant de cette BMW M6 est forcément agressive, hein, avec ce pare-choc spécifique, superbe, un peu à la Dark Vador, là, avec des formes qui viennent bien, bien sur le bas, là, comme ça, très, très incurvées. Le nid d'abeille qui va bien sur tout le bas du pare-choc, voyez. Les ouïes, le fameux haricot, avec une double barre chromée et le fameux logo BMW, la marque à l'hélice. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de ce logo et de cette marque, BMW, ça veut dire en allemand manufacture bavaroise de moteurs. Et effectivement, ce sont de très bons motoristes parce qu'en fait, en 1916, ils faisaient des moteurs pour l'aviation et petit à petit, ils sont venus à l'automobile. En tout cas, le bleu et le blanc sont les couleurs de la Bavière. Ici, au niveau des feux, on a des feux adaptatifs full LED. Vous voyez les feux de jour allumés en direct. Deux ronds agressifs, son petit œil plissé qui dit que attention, elle arrive et elle est méchante. Et effectivement, elle est bestiale. Alors les passionnés, on va passer sur la partie pneumatique et frein. Entre l'avant et l'arrière, ici je suis sur la roue avant, la dimension n'est pas la même. Donc à l'avant, nous avons ici, comme vous pouvez le voir, 265, 35, 20. C'est-à-dire, c'est une 20 pouces. Donc, une roue absolument énorme. Alors, qu'à l'arrière, on va aller voir. Vous allez voir que la dimension est encore plus large, puisque c'est une propulsion. On a une dimension à l'arrière, 295, 30, R20. Donc, vous voyez comme c'est beaucoup plus large encore, sur l'arrière, pour avoir une assise sur le sol. Alors les étriers de frein, parce que la voiture elle est limitée électroniquement à 250 km/h, donc il faut freiner tout ça. Badge M à 6 pistons quand même. Hein. Donc 6 pistons, ils sont là, 3 de chaque côté, qui pressent tout ça contre le disque absolument énorme, disque ventilé là. Et je peux vous dire que tout ça freine d'une manière absolument énorme. Le disque de frein qui est également badge M, tout a été optimisé pour faire de cette berline, quelque part, une voiture de circuit quasiment. Hein. Et ici, sur l'avant, vous voyez des petites caméras qui permettent de stationner en toute sérénité, puisqu'on voit tout sur les côtés. Il n'y a aucun problème. Alors à l'arrière, l'étrier, quant à lui, est un petit peu plus modeste, mais efficace. Cette BMW M6 est débadgée, là, puisqu'on ne le voit pas sur l'arrière. Mais enfin, on devine bien le caractère sportif de la voiture. Par rapport à cet extracteur d'air qui est en carbone, hein, pour le coup, regardez, on voit bien ici le carbone.
et surtout la double sortie de pot de chaque côté, à gauche comme à droite, qui nous sort un son absolument radieux par rapport à ce V8 biturbo. Et le dessous est complètement encapsulé et protégé. Donc l'arrière, on a une berline classe et sportive. Alors une caractéristique intéressante, afin d'alléger la voiture, ici vous avez un toit complètement en carbone. Donc ça c'est quand même génial et peu vu. Toiture en carbone afin d'alléger le véhicule et de le rendre encore plus performant. Alors c'est écrit ici dans l'intérieur de la porte, à l'arrière, grand coupé. Bon, les passionnés, je vous propose qu'on regarde le coffre quand même de cette berline. Est-ce qu'on peut partir en vacances avec? Je crois que la réponse est oui. Ici, grâce au petit logo, on peut ouvrir le coffre. Belle capacité hein, qui s'affiche en bas de l'écran. Un coffre logeable avec des rangements sur les côtés qui permet ici de rabattre la banquette. Voilà. Voyez, comme ceci. Et à l'intérieur, on a un petit kit de gonflage ici, puisque le compartiment de la roue est pris pour la batterie et autres. Et un petit filet ici sur le bord pour mettre des objets. Regardons le cœur vraiment de la bête, comme je dis souvent, mais là, pour le coup, c'est vraiment le cas, hein, c'est vraiment une bête. Deux bons vérins pour ouvrir ce large et grand capot. On entend que la ventile est en train de tourner. Voilà le fameux V8 Badger M, V8 biturbo, 560 chevaux. Quelle efficacité de ce moteur, absolument extraordinaire. Et bien sûr, complètement capitonné pour l'insonorisation. Et voilà, vous avez vu, on peut refermer ce capot facilement. Il n'y a juste qu'à claquer. Alors, regardons à l'intérieur, au niveau des places arrière. Donc, coupé, 4 portes et 4 places. Ici, toujours pareil, le fauteuil est réglé pour moi à l'avant, 1,88 m. Derrière, il n'y a aucun problème, on est sur une série 6 hein, quand même. Il y a de la place. On est bien choyé. Là, le tunnel central, la console comme ça qui vient jusqu'à l'arrière. Alors ça, je trouve ça absolument énorme. C'est vraiment pas mal. Chacun a ses petits réglages de clim qui va bien avec ses aérateurs. Donc comme vous voyez, on est confort. Et même en termes de plafond, ça va encore malgré que le toit soit quand même rabaissé. Et comme je suis grand, eh ben ça passe sans problème. Donc au niveau du pavillon, nous avons du cuir en centrale et sur chaque côté de l'Alcantara. C'est du plus bel effet. Magnifique. Le cuir de très belle qualité, micro-perforé là, et Badger. Badger M. Planche arrière quasiment inexistante. Hein. Un petit pare-soleil là, une petite meurtrière de fenêtre. Donc les fenêtres sont quand même en taille réduite hein, dans ce style de coupé quatre portes.